Les points positifs de l'inox sont sa solidité, sa neutralité pour la santé. Il est facile à nettoyer parce qu'on peut gratter et ça ne raye pas trop. Les points négatifs, c'est que ça peut accrocher à cause des points chauds qui se forment au niveau de la flamme. La chaleur est mal répartie et le plus gros point négatif, c'est qu'il est lourd. Pour l'aluminium téflonné, c'est léger. C'est sain tant que c'est en bon état. Ça n'accroche pas beaucoup tant qu'on ne le chauffe pas trop. Bonne répartition de la chaleur donc sur toute la surface. Point négatif, c'est fragile, donc on ne peut pas gratter si ça a accroché et on ne peut pas utiliser des couverts en métaux dessus. Pour l'aluminium anodisé, c'est léger, c'est solide grâce à sa surface durcie, c'est sain pour la santé, ça n'accroche pas beaucoup et même si ça accroche, on peut frotter et gratter. Bonne répartition de la chaleur sur toute la surface. Point négatif, c'est que ça peut être fragile si c'est un peu fin. Les points particuliers du titane, c'est que c'est forcément très léger, c'est neutre pour la santé et c'est solide. Et l'avantage, c'est que ça ne brûle pas aux lèvres une fois qu'on a chauffé la tasse. Les points négatifs, c'est que ça crée des points chauds importants, ce qui va faire que ça va accrocher, mais on va pouvoir nettoyer et frotter parce que c'est solide.